portes d'entrée, volets, clôtures. Comme chaque matin en l'absence de ses voisins, Daniel Escure vérifie que la maison n'a pas été visitée. Si je repère quelqu'un de suspect, si c'est moi qui le repère, j'avertis les gendarmes en leur donnant le signalement le mieux possible, de façon qu'ils se fassent un portrait robot. Si on peut prendre une photo, on prend la photo et on leur transmet très rapidement. Après une importante vague de cambriolage dans le lotissement l'an dernier, le retraité a souhaité s'engager et se montrer solidaire, tout comme une vingtaine de référents dans la commune, un véritable appui pour les forces de l'ordre. Ce ne sont pas des gendarmes, ce ne sont pas des policiers, ce sont juste des relais, des gens qui peuvent apporter un peu plus de renseignements, qui peuvent apporter des informations, qui peuvent nous signaler certaines choses pour que nous, on oriente notre service et notre action là où il y a besoin. Ce protocole a été mis en place entre la gendarmerie, la préfecture et la municipalité. S'il n'est pas vu comme un remède miracle, pour le maire, il a une autre vertu. Les principaux atouts, ça responsabilise les habitants du quartier, qui ont un œil vigilant sur ce qui se passe dans ce quartier. Et ça, c'est rassurant pour l'ensemble de la population, au moins de ce secteur pour l'instant. Aujourd'hui en Corrèze, seuls Saint-Pantaléon de l'Arche et Ussac ont adopté ce dispositif. Parmi les communes intéressées, Cognac et Alassac devraient prochainement les rejoindre.